Ma vie en Australie, semaine 6, toujours sous les palmiers, toujours à Perth, c'est parti. En théorie, aujourd'hui, le colloque est censé m'apprendre à souder. Encore un truc où je risque de mourir, quoi. En gros, on va souder ça, qui va aller dans la portière du 4x4, et c'est en fait pour tenir le liquide vaisselle et. Je sais plus. Bon, je me suis dit que j'allais vous faire un petit update de mon Noël pour vous raconter parce que j'ai pas forcément filmé grand chose et c'est volontaire. J'étais donc avec la famille de mon coloc, ses parents et son frère. On a mangé genre beaucoup trop. On a mangé un gros jambon et plein de sortes de salades différentes et plein de sortes de pâtisseries différentes. Dans sa famille, en fait, ses parents sont hongrois et ils sont venus. Habité en Australie il y a à peu près 35 ans. Et donc on a fait ça, c'était vraiment super cool, mais je me vois pas du tout filmer leur intimité en fait. Enfin, je veux dire, c'est leur fête de famille, et même si j'y suis, je me vois pas tout filmer. J'ai filmé quelques mini morceaux que tu viens de voir, mais j'ai pas filmé grand chose. Ça c'était donc le 24, parce qu'ils ont gardé genre la tradition. Enfin, je sais pas comment ça se passe chez toi. Mais moi, chez moi, en France, on fête vraiment le 24 au soir. Donc là, c'est ce qu'on a fait. Et hier, le 25, on n'a rien fait du tout. On a passé la journée, en fait, à jouer à des jeux vidéo et à manger les restes de la quantité incroyable de bouffe qu'on avait. Et aujourd'hui, le 26, on a fait la vidange du 4x4. Le truc très festif. Mais j'avais envie d'apprendre comment on faisait, puisque je suis toujours en train de me demander si je vais ou si je ne vais pas acheter un 4x4 ou un van là dans les prochains mois. Donc j'apprends la mécanique avec le coloc parce qu'il s'y connaît pas mal et que je me dis que c'est une bonne occasion d'apprendre. Donc voilà, ça c'était Noël pour moi, c'était super chouette. C'était un des trucs dont j'avais vraiment super peur. J'avais peur d'être toute seule ou de pas me sentir bien parce que ouais, enfin c'est Noël quoi. Et j'ai eu énormément de chance. J'ai été super bien accueillie, j'ai reçu plein de chocolat, j'ai reçu des sels de bain, j'ai reçu de la bière de mon coloc, plein de bières qui sont toutes brassées ici en Western Australia. Donc ouais, c'est vraiment super cool, j'ai vraiment passé un super Noël et j'ai eu des photos et des vidéos de la raclette chez mes parents. Donc c'était vraiment super cool et j'espère que tu as toi aussi passé de bonnes fêtes. Là nous sommes donc le 26, il est à peu près midi, on vient de finir de faire la vidange et je crois que je vais m'occuper de ce désastre là. J'ai envie de retourner à du bleu, mais probablement à du bleu que sur les parties claires et pas sur le reste. Je sais pas du tout ce que ça va donner. Je vais faire ça maintenant mais je vais pas le filmer parce que je pense que j'en ferai une vidéo à part puisque les gens aiment bien regarder les vidéos de coloration. Donc je pense que c'est ce que je vais faire maintenant et je... Enfin, tu verras bien le résultat dans le prochain clip de ce vlog. On a un nouveau camarade de douche qui est genre pris dans la poussière et les cheveux de toi. La grenouille est retournée dehors. Bienvenue en Australie. Bienvenue en Australie.
Hello. Hello. Hello, darling. Bon, avec les fêtes, c'est vrai que ce vlog est un peu décousu parce que entre les jours où on n'a rien fait parce qu'on a profité des jours de congé et les autres jours où j'ai pas forcément pensé à filmer, il n'y a pas eu grand chose. Tout ce que tu viens de voir aujourd'hui, bah, tous les clips avec les animaux, en fait ce matin, donc là on est vendredi, ce matin quand je me suis réveillée, les parents de mon coloc m'ont proposé de venir me chercher pour m'emmener dans le Koala Park. Et j'ai trouvé ça vraiment super gentil de leur part parce que en fait j'étais toute seule aujourd'hui vu qu'on est vendredi et que le coloc travaille. Donc ils m'ont proposé de m'emmener, on a vu tous les animaux qu'on pouvait nourrir, qu'on pouvait toucher et tout. Et moi je suis pas quelqu'un qui va souvent dans les zoos parce que j'ai beaucoup de problèmes avec le concept d'enfermer des animaux. Mais là en fait c'est énormément d'animaux qui sont là suite à des sauvetages et du coup c'est vraiment super cool quoi. Ils sont habitués à l'homme parce que ils sont sauvés en fait si tu veux et pas parce que... Enfin je sais pas comment expliquer. Bref c'est cool parce que si ça avait pas été cool j'y serais pas allée. Donc j'ai passé une super journée à faire ça et là j'étais en train de monter le vlog et de me rendre compte que je vous ai pas vraiment parlé cette semaine. Ou pas beaucoup à part à Noël. Donc voilà, je me suis dit que j'allais remédier à ça. Et je prends énormément de plaisir à vlogger. Et à chaque fois qu'on fait un truc cool, je me dis « Oh c'est trop bien, je vais pouvoir ramener ma caméra, je vais pouvoir filmer, etc. » Et après en fait, c'est vrai que je profite tellement des moments que parfois j'oublie de sortir la caméra. Là on est vendredi soir, donc je vais essayer de finir de monter ce vlog ce soir. C'est pour ça que j'ai repris la caméra maintenant pour le finir. J'espère que tu as eu une très bonne semaine. Je sais que pour beaucoup c'était en congé, donc j'espère que tu as bien profité de tes congés, j'espère que tu as bien fêté Noël, que tu as bien profité des personnes que tu aimes, que tu as bien été gâté aussi parce que ça fait partie de Noël, que tu as bien mangé, que tu as bien bu et que tout se passe bien dans ta vie. Dans ma vie à moi perso, tout va bien. Donc ce que je te propose c'est qu'on se retrouve samedi prochain dans un nouveau vlog. Je sais pas du tout de quoi va être fait la semaine qui arrive. D'habitude j'ai quand même à peu près une notion de ce que je vais faire et là pas du tout. Donc on va bien trouver quelque chose à te montrer dans le vlog de la semaine suivante. Et puis voilà, on se retrouve mercredi pour une vidéo plus classique et samedi pour un nouveau vlog. Dans tous les cas je compte sur toi pour être au rendez-vous et je te fais de gros bisous. Bye. Oui, c'était le bruit le plus bizarre pour finir un vlog.